Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 21, vendredi 21 octobre, ouverture du tiroir de la citrouille qui fait le calendrier d'avant Halloween qui m'a été offert par ma petite Christine. Donc je vous ai mis du bon côté avec sur ce magnifique papier. Tu m'as pas dit où tu l'as trouvé, hein, Christine, avec les citrouilles là, trop jolies. Le 21, il est juste en face, avec pareil, toujours ce joli bouton qu'elle fait elle-même à l'imprimante 3D. Pareil, Christine, on attend ta vidéo sur l'imprimante 3D, sur ta chaîne. Alors, aujourd'hui, on a des petits oursons, les Gold Baron de chez Haribo, un grand classique. On a une boule de chocolat en tête de citrouille et on a toute une série. Attendez, voir, je vais pas les perdre, ils sont petits aujourd'hui, tout petits, pas que je les perde. Alors je sais pas si ça va faire le point à chaque fois. On a, ouais, et ben non, alors attendez, on va faire différemment. Hop là, un tout petit gland, pareil, je pense que tu les as fait sur sur un papier aquarelle. On sent la texture, donc elle fait ça avec une imprimante à jet d'encre. Donc j'ai pas encore essayé, mais je vais tester parce que vraiment le résultat il est super. Ah, ça c'est pour moi, c'est mes petites chaussures de marche quand je vais dans ma montagne avec mon gros pull vert. Elle m'a mis ma tenue là à col roulé. Ici, on a, quand je rentre, je me fais un petit chocolat chaud, un bon bouquin. Non, je ne me fais pas une citrouille. Mais ils sont très jolis. Les couleurs sont très jolies. C'est mes couleurs, en fait. Ensuite, Apple of my eyes. Alors, ça, c'est un jeu de mots. En France, en français, on dirait la prunelle de mes yeux. Merci, Christine. Je suis le Apple of your eyes. Une bouilloire pour se faire le thé, une citrouille dessus. L'épi de maïs. C'est bientôt Thanksgiving, ça c'est un classique. Avec ici une part de tarte à la citrouille. Trop bon, qu'on sert aussi à Thanksgiving. La voilà en entier. Citrouille blanche, la tasse de thé qui infuse, le bougeoir, et après pour les détourer, pareil, Christine, tu les passes à la c'est pas une cricut que tu as, c'est une silhouette pour avoir, sinon si tu t'amuses à les faire au ciseau, c'est pas rigolo. Je sais que moi sur ma browser, j'ai un mode où je marque détouré plus 2 mm autour. Et comme ça, il peut me détourer tous mes petits personnages avec 2 mm autour ou 3 mm. Tu peux choisir. Peut-être que sur ta silhouette, tu as ce mode-là aussi. Et franchement, c'est bien pratique. Toute une série de petites feuilles. Tous les tout petits comme ça. Et une série de champignons. Tout petit aussi. Très chouette. Ensuite, on avait une enveloppe, la numéro 21. La voilà.
celle-là, je ne l'ai pas ouverte. Je m'étais rendu compte de ma bêtise quand même. Un moment pour s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oups, là. Alors, on a encore des découpages où elle a imprimé à l'imprimante jet d'encre. Là, on a une table de pique-nique. Ils sont plus grands, c'est pour ça qu'ils ne rentraient pas dans le tiroir, mais les amis, à part. Ici, des citrouilles, s'il vous plaît. Là, un camion rempli de citrouilles, il est chouette celui-là. Et ici, pareil, c'est un jeu de mots. Je vais le mettre un peu plus loin, vous voyez bien. It's fall. Yule, it's fall, ça veut dire c'est l'automne. Et Yule, c'est une contraction de you are all. Tu es mon tout. Décidément, c'est une déclaration d'amour, Christine. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette ouverture de mon calendrier, enfin de mon tiroir numéro 21 vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour le numéro 22. Salut, Pisama! I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me.